vous laissez pas avoir par leur baratin. C'était une opération sous fausse bannière, c'est obligé. Chef, je confirme la... Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés, là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar. Le docteur Kendall en a besoin pour réaliser des tests. Sécurisez le site et nous on se chargera du reste. Kendall a demandé qu'on ait jeté un œil dans la zone de sortie pendant des jours. Je sais pas pourquoi. C'est dégueu, putain! Je crois que je vais gerber. Hé, c'est ça ou rien? Il y a du nouveau. Faye me dit que les nettoyeurs retiennent toute la population du camp en otage. Ça a l'air d'être le cas, oui. Et ça correspond à leur façon de faire. Dites-moi, docteur, si vous vouliez éradiquer toute trace d'un virus, vous iriez où? Là où se trouvent les foyers de concentration, les camps de réfugiés, les bidonvilles... Oh, Seigneur. Vous voulez pas dire que... Une solution draconienne, oui. Mais efficace. Ouais, si vous êtes une meute de cinglés portée sur le génocide.
Vous vous demandez jamais si on mérite de survivre à ce truc, finalement. Tous les jours, docteur. Tous les jours. Bonne chance, agent. Attention, élévation du niveau de contamination. Vous avez entendu ça? Vous êtes en plein dedans. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au sujet des réfugiés infectés. J'imagine que vous allez tout faire pour les maintenir en vie. Mais j'ai besoin de ces échantillons de virus et il me faut impérativement des échantillons d'anticorps viables provenant de survivants. Il faut qu'ils soient plus que juste en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je m'en remets au travail. Kendall termine. Alerte. Composé chimique potentiellement inflammable détecté. Vérification recommandée. Tu crois qu'ils servent à quoi? Confirmé. Il s'agit bien de Napalm B. Vu la quantité, je pense qu'ils comptent mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr.
Ok. Dès que la situation sera sous contrôle, j'ai une équipe de choc Serrage ITF prête à passer à l'action. Ils se chargeront de récupérer des échantillons sur un maximum de réfugiés. Il y aura du personnel médical ? Oui, docteur. Il y aura deux ambulanciers. Deux ? Seulement deux ? Vous inquiétez pas, le reste de l'équipe est formé aux premiers soins. Ils savent comment trouver une veine. Sans contaminer les échantillons, j'imagine. Voilà. Ni s'infecter eux-mêmes. D'accord, je vous fais confiance. Merci, docteur. Agent, à vous de jouer. Docteur Kendall, équipe d'échantillonnage, vous me recevez ? Passez-la à l'appareil, je vous écoute, docteur. Ah, lieutenant, parfait. Écoutez, j'ai besoin que vous notiez les informations de chaque personne sur laquelle vous prélevez un échantillon. Âge, sexe, groupe ethnique, état de santé général sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, vous étiquetez et vous organisez les échantillons en fonction de chaque... Excusez-moi, docteur. Ça pourrait peut-être attendre que la mission soit entièrement accomplie. Vous voulez dire que vous ne faites pas confiance à votre agent ? Je donne simplement la priorité à ce qui est prioritaire. Lieutenant, veuillez contacter le docteur une fois la zone sécurisée. Compris. Ne vous inquiétez pas, docteur. On s'occupe de tout. J'espère bien. Après tout, c'est juste la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Bien su, docteur. Terminé. Bon, alors vous connaissez la situation. Il est trop tard pour trouver le temps. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Et si on fait le nécessaire, ça ne sera pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. C'est mon boulot. Allez-y, finissez le boulot. Agent, si vous trouvez les commandes de la grue, mettez le réservoir en sécurité. Excellent travail. Ouais, bravo. Et maintenant, écoutez bien, équipe d'échantillonnage.
Je vais avoir besoin de ces échantillons étiquetés et organisés de manière à pouvoir étudier certains facteurs corroborants. On va passer sur un autre canal. Je veux pas ennuyer notre agent. Un des facteurs de létalité d'un virus, c'est sa faculté d'adaptation. Un taux de mutation rapide complique l'identification par les anticorps et l'action des remèdes. Les échantillons que vous avez prélevés sur les malades à la gare de triage semblent confirmer l'importance de la dérive génétique présentée par le poison vert. Et ça, c'est inquiétant. Parce que trouver un vaccin maintenant sera encore plus difficile. Agent, les données comparatives que vous avez obtenues au camp de réfugiés nous ont apporté de nouveaux éléments de réflexion. Il y a un autre rapport qui vous attend dans la base de données.